attention les gars, il y en a pas beaucoup. On met au fur et à mesure. Ah ouais, craignez pas tout. Allez, tiens, je vais gérer. Oui. Les pyromanes soutient les pompiers. Ouais. Pas trop les gars, parce qu'on ne soutiendra pas la mignonpette avec son arme. Alors ça c'était un peu prétentieux je pense de suite là, mais bon. Lui là, là c'est un peu ambitieux là. Il a fait un petit feu pour vous réchauffer. Ouais. Je pense qu'avant de mettre les grosses bûches, on va peut-être mettre un peu plus petit là. Là c'est ambitieux là. Ouais, ça fait beaucoup. Je désolé, pas normal, merci. Voilà, ils ont fait un petit feu par les terres et l'air et l'eau. Ils gardent les souplesses. Vous pouvez pas comprendre. C'est vachement beau. C'est ça la flamme de la vie. On est là. C'est une flamme indomptable. On est là. L'amour, ça se nourrit. Le climat qu'on aime pas. Je vois les feignants. Mais oui, c'est ça. Maîtriser le feu, c'est maîtriser son feu intérieur. Tout flamme. Hein. Hey, les gilets jaunes. Hey, applaudissez les pompiers, c'est important. Merci aux pompiers encore. Et franchement, merci à tous vous êtes là. Merci. Et merci encore aux pompiers. Bah oui, je veux dire merci. Parce que la gratitude, reconnaître, être reconnaissant, c'est reconnaître, hein? La nouvelle licence, comme dit Diat, ce que tu reconnais les choses bonnes ou mauvaises qui t'arrivent, c'est reconnaître. Et il ne se passe pas un accouchement sans douleur, hein. Mais l'accouchement est en pleine route, hein. Et ça, on appelle les flammes de la vie. La vie, ça vous brûle. C'est un peu vivant. T'as failli te brûler par contre là. Ça m'a attiré les pompiers. De quoi? Le feu.